Ok, c'est bon, let's go, je crois que je viens de démarrer la caméra, ça filme. Yo les refs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est moi qui est sur le setup à Power. Et juste ici, il y a son compte qui est allumé. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué Power Jumper juste ici. En plus de ça les gars, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, il a directement 32 000 V-Bucks. Donc juste avant la vidéo les gars, j'ai fait quand même quelques petits achats avec sa carte bleue. Et bien évidemment du coup, tous ces V-Bucks là, ils vont nous permettre d'acheter le pass de combat avec un tas de skins incroyables à l'intérieur. Par exemple le skin Spider-Gwen qui est vraiment plutôt stylé et plein d'autres skins. Mais juste avant d'acheter le pass de combat les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification, puisqu'aujourd'hui clairement on va dépenser tous ces V-Bucks. Je sais qu'il a aussi l'habitude de remercier toutes les dernières personnes qui viennent de s'abonner à sa chaîne, donc bien évidemment je vous remercie les gars, ça fait plaisir. Et comme dirait Power, code PJP pour pécho ça crush. On se retrouve dans l'onglet passe de combat et on va directement acheter les paliers avec ces V-Bucks. On clique du coup sur acheter des niveaux et on va directement augmenter jusqu'au level 100. Attention, oh là là mais mec, regardez-moi ça, il y a marqué 100 niveaux. Ça fait du coup un total de 13 100 V-Bucks, mais en vrai de vrai on s'en fiche un petit peu, c'est lui qui paye. On clique directement sur acheter des niveaux. Oh là là mec, je crois la transaction elle est en train de se faire. Mec, c'est énorme, 13 000 V-Bucks. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh là là les gars, c'est totalement un truc de fou. Avec ça normalement on a tout le pass de combat. Carrément je galère à arriver jusqu'à la fin des étoiles de combat. Regardez-moi ça, on en a 510 les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. Ça va nous permettre du coup d'acheter tout le pass de combat. Ok, maintenant ce que je vais faire les gars, c'est que je vais directement envoyer un message sur mon téléphone à Power, comme ça il va pouvoir venir me rejoindre pour découvrir le pass de combat. Tu m'as appelé là? Attends, fais-moi une place là. Vas-y. Attends, déjà, t'es sur ton compte ou le mien là? T'as joué? Là on est sur le tien. Pourquoi tu m'appelles sur mon compte du coup là? Frérot, quand je suis arrivé sur ton compte, t'avais beaucoup de V-Bucks. T'en avais 32 000 je crois, non? Non, j'en avais 19 000 là. Ça va bouger? T'as acheté quoi? T'as acheté un truc dans la boutique? Non, mais non, t'inquiète, j'ai rien acheté. Attends, tu me fais peur, c'est le nouveau pass, attends, passe de combat. Gros? Mais c'est... Ça te fait rire, 510 quoi, étoiles. Ah, c'est 510 étoiles, je sais ce que t'as fait, c'est genre... Mais ton nombre de V-Bucks, il a pas bougé, comment c'est possible? Oui bah je sais, elle est où ma carte? Dis-moi elle est où, parce que je sais que tu l'as, c'est obligé. Comment ça? T'es obligé, où mon porte-monnaie? Non, là, t'es en train de dire j'ai acheté des V-Bucks avec ta carte, mais gros, mais je viens d'arriver sur ton compte, gros, je vois, il y a 510 étoiles. Arrête, rends ma carte déjà. Mais elle était sur ton bureau? Tiens, elle est frère, en plus il l'a, vas-y. T'as acheté pour combien là? Dis-moi, t'as acheté pour combien? Je te connais. J'ai acheté pour trop cher, je crois. T'as pris quelle offre dans la boutique? Bah, à ton avis. Mais à chaque fois, au moins, comme ça, tu peux jouer les skins en avance. Bah, les couilles, des skins en avance. Moi, je vais faire mes défis, c'est laisse-moi tranquille. Du coup, il y avait Spider-Gwen. Ouais, mais 80 balles, Spider-Gwen, c'est bon là. Spider-Gwen. Ok, alors du coup, il y a un cœur. Ça, c'est nul. Ça, c'est un sac nul. T'es énervé, mec, détends-toi. C'est bon, je suis énervé, c'est bon, ça, c'est nul. Ça, c'est quoi ça? Ok, ça, c'est stylé. Ça, c'est point zéro. Ça, c'est stylé, ça, on est d'accord. Ça, c'est quoi? C'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est très bien. Ça, c'est mon argent. Je suis en train de récupérer ma propre argent. Oui, je t'en veux quand même, oui, l'épée bon, elle est moyenne. La prochaine fois j'achète ça avec le code PJP. Ça va. Bon, pour le moment y'a pas des trucs de ouf hein. Ouais. Ok, panneau. Oh, ok, ça commence à être stylé. Feu chromé, il est stylé de fou lui. C'est quoi ça? C'est un skin. Wesh, il est en mode baka. Il est dark un peu. Il est dark de fou. 100 V-Bucks ça je prends. Trop stylé. Petite pioche chromée, t'en penses quoi? Elle est stylée? Franchement, elle est stylée. Ça va. Ensuite on a ça, c'est des défis. Ok, ça c'est un petit tag. Nouveau planeur. Oh. C'est sympa. Oh, il est stylé en vrai celui-là. Elle lunaire, ok. On a encore 100 V-Bucks ça je prends. Ensuite on a un truc. Bon, pour moi là, tu m'as acheté un pass que je suis pas du tout content là. Pas des trucs de dingue. Hein. J'avoue que là, t'as dépensé beaucoup d'argent. Ouais, j'ai un peu acheté sans regarder avant. Hein. T'as même pas. Ah, il a même pas regardé lui aussi, il abuse. Oh, oh l'emote est sympa. L'emote est sympa, mais tu vois, ce skin, je suis pas. Il est bizarre. Il est bizarre. Hein. Un robot. Il est encore pire comme ça. Il est chelou. Elle. Oh. Ah ouais, non. Ah, chelou. Chelou pour le moment, les gars. Chelou. Pas, hein. Chelou, mais attends, ça va peut-être s'améliorer. Ok, bon. Petite traînée. Ça va. Ok, ça va. Oh, attends, c'est un skin, je crois, ça. Ouais. On va continuer, ça. Il y a des V-Bucks. Ok, là, il y a un slurp. J'ai l'impression qu'on est déjà à la moitié du pass. Ça va vite aujourd'hui. Attends, c'est quoi ce planeur? Bon, il est stylé en vrai, vite fait quoi. Pas. Ouais, bah si, bien, il est stylé, si. Ok, la pioche j'aime bien, c'est gaulerie. Okay. Bon, lui, on l'a 27 fois lui. Wow. On l'a 27 fois, il est nul. Mais regarde ses mains, j'ai l'impression qu'elles ont changé, non? Je sais pas, on l'a 27 fois. J'avoue, oui, c'est un peu énervant. Oh, par contre, on l'a pas eu. Quoi? Grise. Oh, bah c'est bon, le pass, il est juste pour lui. Il est trop bien. Ça rappelle le bonhomme slurp qu'il a déjà eu. Ah ouais, c'est vrai. On va enchaîner, ensuite on a ça. Ok, c'est pas dingue, un planeur. Oh, le planeur, il est moche. C'est, les gars, là, le pass là. C'est quoi ce pass de combat? C'est quoi ce pass? Non, attends, parce que attends, il y a eu quelques trucs stylés, mais il y a déjà 100 V-Bucks. Ok, il y a ce sac à dos. Oh, attends, je commence à voir un truc stylé à arriver là. Une pioche, ok, ça va. Une nouvelle émote, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, c'est. Oh, c'est un laser, en mode c'est un chat. Bah regarde, il y a un chat juste là. Oh bah ouais. Ok. C'est bon, le pass de combat vient. Il y a un perso Miaouzclé. C'est pas bébé kit ni Miaouzclé, mais c'est en version adolescent. C'est Miaou original. C'est un petit pseudo que j'aime bien. Ok, non, en vrai le skin, tu vois, il est un peu en mode baka. Par contre, en fait, c'est une saison baka, c'est quoi ça? Il est un peu en mode ouais gothique. Non, on dirait il boit de la Monster lui. Il m'énerve. On dirait il boit de la Monster là. Mais en vrai, ça va le skin. Moi je le. Oh, c'est bon là. Non, en vrai le skin est trop stylé. Le skin, je vais le jouer, tu vois, je me connais. Oh, par contre, écran de chargement de la saison, très joli. Sympa. Avec le
chrome. Ensuite, on a une petite double pioche. Ok. Oh, c'est un skin, ça c'est quoi? Oh, c'est un sac à dos lapin. Un sac à dos, t'as cru c'était un skin. Pompon lapin, mais on dirait. Ensuite, on a une traînée bizarre, fumée rose. Ouais, bah ça va. En vrai, j'ai un peu l'impression que c'est la saison du chat en vrai. Il y a pas mal de trucs avec les chats. Ouais, encore un espèce de chat géant là. On a encore 100 V-Bucks. Oh, une émote, attends, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le nounours dans Toy Story, on dirait. Oh là là, mais mec. C'est-à-dire qu'il peut le sortir de son ventre. Mais mec, c'est incroyable. Tu penses les balles, elles passent à travers après? Oh, ça, c'est une expérience, c'est un mythe qu'on va tester en c'est vidéo. C'est clairement évidemment. Un mythe, ça. C'est clairement un mythe. Oh, encore un skin à côté. Ok, en fait, le pass au début, les skins du début sont claqués de ouf. Les deux premiers skins, je les trouve pas dingues. Mais ensuite, là, on enchaîne banger sur banger. Ce skin-là, mec, il est vraiment incroyable. Elle est en mode. Mais t'as vu, c'est en mode un peu, on dirait un skin d'anime. Ils ont fait un pass de combat. J'avoue. Un mec en mode un peu baka, une meuf animée. Elle s'appelle Lennox Rose. Par contre, elle est vraiment belle, hein. Tu crois que je suis un skin Fortnite, frérot? Non, en vrai, elle est jolie. On passe à la suite, passe à la suite. Elle est sympa, on valide totalement le skin. Ensuite, on a un petit camo, ça. Oh, c'est quoi ça? C'est son overboard. Planeur overboard. En vrai, ça va, il est stylé un peu. Mais en vrai, mec, ça, c'est l'un des planeurs les plus jolis. Je pense que je vais le sécher. Hein. Ouais, attends, c'est quoi ça? J'aime de ouf. Oh, c'est quand t'as une crush. Mais ça, c'est mon emote en fait. Ça, c'est quand t'as mis le code TGP et que tu fais chaud ta crush. T'es en mode let's go. Wow. Ensuite, on a 100 V-Bucks. Ensuite, on a ça. Ouais, j'ai combien de skins en double là? C'est quoi quand ça va arriver quoi? Attends, c'est quoi paradigme réalité? Ah, mais c'est les variantes. Paradigme réalité. Ah, c'est le masque en fait. Il y a que le masque. Bon, en vrai, ça sert à rien ça. Oh. Oh ok, en fait, ce pass, il y a beaucoup de variantes, en fait, c'est un pass stylé de fou. En vrai, là, ça fait un peu ambiance peinture, j'aime bien, hein. Pareil, on dirait un peu Splatoon, le sac à dos, là, j'aime bien. Petite double pioche, ensuite, ok, on a une traînée, ok, on peut changer la couleur de la traînée, ça, sympa. C'est cool. On a ça, on a un sac. Un sac à dos un peu sobre, ouais, on a mis au clé, oh, en version, je sais pas, il est drôle. On a une petite pioche ici aussi. Ça me fait penser un peu à une pioche de Star Wars, celle-ci, tu vois, un peu d'électricité. Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout, frérot. T'es loin du compte. Mais non. Ensuite, on a ça, on a 100 V-Bucks, un planeur. C'est quoi ça? Ouais, bon, bah. Il est basique, hein. Encore 100 V-Bucks. Les V-Bucks, ça y va, les gars, là. C'est je commence vrai. À être remboursé. T'as vu, je te donne des V-Bucks un peu. Tu m'as dépensé pour 80 balles, tu n'es pas mon ami. J'avoue. Ensuite, on a quoi? On a Mia Original. Oh, bah, t'as vu, là, c'est l'inverse, là. C'est plus la version gothique et tout, c'est là. Ça, il a la version. Cute. Il a la smile. Toujours cute, toujours kawaiiné. Comment ça, frérot? Bon, vas-y, viens, on enchaîne le pass de combat. Vas-y. Ok, ensuite on a lui. Oh, il est moche. Oh, tu vois, en fait, je comprends pas Fortnite. Vous m'enchaînez des skins de ouf là. Le pass de combat, je commençais à ultra kiffer. Vous mettez jumeaux. J'avoue, il est tellement moche. Ah, il est moche. Allez, 100 V-Bucks, on prend. Une traînée Marvel, c'est quoi ça? Oh, ça a traîné Spider-Gwen. Oh, le Spider-Verse. Ensuite, on enchaîne ça. Bon, ça, c'est pas dingue. En fait, tout ce qui est truc comme ça, c'est pas des trucs de ouf. 100 V-Bucks. Oh, par contre, une petite version en mode. Ça va. Coloré, elle est cool, hein. En coloré, j'aime bien. Là aussi, bon, là, moins bien avec le sans le ouais, visage. J'avoue qu'avec le visage, pas fou, hein. Ensuite, on a une émote. C'est quoi ça? Numérisation. Oh, en fait, je crois que c'est un skin qui se transforme en fille. Fille et garçon. Quoi? Mais c'est trop bien. En vrai, ouais, tu peux faire gars et meuf, mais tu c'est vois. Incroyable. Et du coup, on débloque aussi la meuf, quoi. C'est un autre skin. Okay. Bah, du coup, c'est jumeau aussi. Ouais. Tu penses que si tu fais l'emote, tu transformes en gars avec ce skin? Oui, bah, oui, c'est la même chose. Ok. On a le sac aussi qui va oh, avec. Oh, mais la le pioche. Sac, il est un peu stylé en vrai. Le planeur. J'aime bien, moi. Ça fait un style un peu holographique. On commence à rentrer dans Spider-Gwen, les amis. Oh là 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 là, mec. Ce pourquoi le pass de combat est incroyable. Bon, déjà, on a vu quelques skins qui sont bof, mais juste les autres skins sont bien. Là, on arrive vraiment dans le lourd, c'est-à-dire Spider-Gwen. Ok, donc là, on commence avec sa pioche. Spider-Case. Ok, bon, il a un peu grand à jouer. Stylé. On a ça aussi, c'est un icône de bannière. Ok, GG. Une émote. Émote de Spider-Gwen. Ouh. Oh. Allez, oh. Stylé. Moi je fais la même dans la vraie vie, pas ah du ouais tout. Pas du ah tout. Ouais. Ensuite on a ce sac à dos, c'est quoi pendant ce temps-là? Oh, quoi c'est un sac à dos bande dessinée. Attends, planeur. Stylé ce sac à dos. Planeur. Ok, bof le planeur. Oh non, si, planeur joli. Ouais, ça va. On a ça, très joli. On a l'écran de chargement. Oh. Et attention. Le skin. Oh, oh là là. Voilà pourquoi on a acheté le pass. Voilà pourquoi on a acheté mais le pass, les amis. 20 sur 20. Incroyable. Skin palier 100, c'est un skin fille. C'est très très rare. Ça arrive dans très peu de passes de combat. Profitez-en. Et honnêtement, pour une fois qu'un skin meuf est en passe de combat, c'est un skin masterclass. J'avoue, il est incroyable. Il est totalement incroyable, les gars. On fait s'équiper le skin. Et on a terminé le pass de combat. Ça fait quelques heures que la saison est sortie. On a déjà fini le pass avec ces bêtises là, ces gros bêtises. Mec, il te reste quand même les récompenses bonus. Tu pourras quand même un peu faire des défis. C'est vrai. Et en plus, regardez, j'ai 21 000 bucks. Donc en vrai, ça dépensait quand même de l'argent. Mais ça me rembourse un peu. Ça va. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bombardez la barre de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche des notifications. Et le code PGP pour pécho sa crush.